Attendez, je vais vous montrer le parcours. Sur ce Giro, nous avons le parcours avec un départ du Napoli, de Naples. Voilà, je vous fais la traduction, si vous parlez pas italien un peu, il est vrai que j'ai un accent parfait, du coup vous avez peut-être du mal, enfin bref. Chrono individuel. Non, par équipe. Chrono par équipe. Donc avec la Jumbo, je pense qu'on est plutôt bien. Ça dépend après de l'équipe qui l'aligne. Puis on a une petite étape vallonnée. Voilà, une belle arrivée quand même ici. Du côté de Serra San Bruno. La Matera, c'est aussi un peu vallonné. En fait, ça, c'est le genre d'arrivée, c'est pas pour nous. Hein. Avec le sprint qu'on a, l'accel qu'on a, c'est une catastrophe. Hein. Ça, c'est plat. Puis encore une étape. Voilà. Puis, voilà. Là, c'est le décès. 54 km de contre-la-montre. C'est vallonné, donc on peut limiter la casse. Mais 54 km quand même. Firenze, ok, on a Montazio, puis Vajon, ok, c'est du plat, mi-vallon un peu dégueulasse, Jaffro, on a le col du Galibier, hein, et notamment par le Télégraphe, ici on a un petit Mont-Cenis, on a Ivrea, ok, on a Vicenza, on a un autre chrono, full montagne cette fois-ci, donc ça c'est pas mal, sans réel plat, hein, donc ça nous pose pas de problème. Ensuite, Val Martello. On a un beau Giro quand même, hein. On a un très très beau Giro. Hein. C'est vrai que le chrono par équipe va nous être utile. Le seul point positif, c'est ce chrono de 54 bornes. Hein. Même Axel que la Twingo de ma grand-mère. C'est vrai. C'est vrai qu'on peut comparer. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, pour le parcours, pour tout ça. Alors, c'est quoi la... Bah c'est bien, on est leader, hein. Mais notre meilleur équipier, c'est Arensman, il a 63 montagnes, quoi. Mmh. Ah ouais, comment dire. J'avoue que... J'avoue que... C'est qui, lui? Oh, je suis un peu dépité, là. Seul au monde, quoi. Et y'a qui comme leader, là? Y'a... Oh là là, la Movistar. Wouah! Omen Quintana Carapaz. Ok, il y a Bernal Alaineos. Il y a Bardet Godu à la G2. Oh, il y a Godu 84 montagnes. Oh putain de merde. Oh non, mais c'est compliqué. Hein. C'est-à-dire que là, on va se retrouver solo face à tout ça. Il y a Yates. Il y a Evenpool. Bon, Evenpool, il est pas, il est un peu éclaté dans le jeu de base. Oui, 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 oui. À G2R, Ineos, Movistar, ça pique hein, quand même. Hein. Ça pique, ça pique. Bon, écoutez. Ah oh. Ouais. Avec mon Godu, juste après, live avec lui, un plaisir. Sur le pro-cycliste. Ah, parce que j'ai un peu de retard, hein. C'est long de faire les rediffs. Très belle équipe. J'avoue que là, ça va se passer comment? Ce sera juste un tirage au sort, mec. Faut juste être présent. Bon, je les ferai pas tous au même moment, sinon c'est pas drôle, hein. Je le ferai éparpillé pour que des mecs qui restent là tout le long, ils ont plus de chances à l'avoir, mais. Au moment où je dirais, vous aurez juste à mettre un petit message dans le chat pour être inscrit. J'appuie sur un bouton, ça tire au sort et hop. Et on fera ça pour 8 jeux, ou 7, 7, 8. Et pour les 2-3 derniers, ce qu'on fera, c'est que ça sera la même chose. Tout le monde pourra gagner, mais juste les subs, ils auront une petite chance en plus. Voilà. Je voulais pas mettre en sub only parce que bon... Bah déjà, j'ai pas l'impression que ça soit très légal, mais en plus, genre, c'est pas non plus... J'ai pas envie que ça fasse le mec, oh putain, tu payes un sub et c'est pas ouf. Et tout le monde pourra gagner, tout le monde a la même chance. Et voilà. Domek, merci du follow. La crue c'était MSR. J'avoue que... On a même pas de Sarin quoi. Gros 77, c'est quoi ça? Aïe aïe aïe, c'est terrible, hein. Je sens qu'on va péter des plombs, hein, mais ça c'est un plaisir. Hein. Oh, ce bonnet. Je suis pas sûr que je puisse, je t'avoue. C'est de 20h, ça commencera à 20h. Par contre, je vous préviens, hein, s'il vous plaît, juste pour que le live soit agréable et que le chat soit pas mal, ne spammez pas toutes les 30 secondes. Eh, hey, concours, concours. Hein. De base, c'est un supplément, c'était pas prévu qu'il y ait les 10 jeux, les 10 PCM 20 à gagner. C'est Benjamin qui travaille chez Naken et qui du coup. C'est un peu celui qui gère les réseaux sociaux du jeu qui est venu me voir et qui m'a dit tiens, on te donne 10 jeux, tu les fais gagner. Mais de base, c'était pas prévu. Hein. De base, on est là pour David. On est pas là pour faire spammer oh, giveaway, giveaway. Ouais, c'est pour ça que je le fais pas, Blomka. Il y aura pas de summoning, bien évidemment.
logique. Tu as un méchant soit 2 pour les 2-3 derniers, c'est ça. Pas mieux le 10 minutes. Oh, je sais pas, c'est relou, hein, c'était... Non, je sais pas. En fait, c'est mettre 10 minutes, c'est bien si pour les mecs, ils vont venir que pour le giveaway. Mais mettre 10 minutes, si c'est un mec qui, de base, suit sur YouTube et qui est là et qui veut parler dans le chat, bah c'est relou, quoi, non? Je sais pas. On peut mettre 10 minutes, hein. Vous en pensez quoi sur le chat, là? C'est dans l'équipe. Oui, je sais. Je sais, hein, les mecs, hein. Est-ce que vous voulez les liens de l'article, peut-être? Hein, moi, je vous donne ça, hein. Moi, je vous donne ça avec plaisir, hein. Il est vrai que, voilà, hein. Après, maintenant, je ne répondrai qu'en présence d'un journaliste et qu'en présence de la presse, hein. Clairement. Oh, le mec relou. Tenez, ça, c'est l'article de l'équipe. Que plutôt pas mal, on parle de PCM, on parle de moi, on parle de vélo, on parle de tout. Un de plutôt, non, dis, ça va. Hein. Que pour les giveaways. Larissona. Sera du multi, ce sera du multi. Et peut-être qu'il est possible qu'une game soit ouverte aux gens du chat, mais ça, vous verrez. Hein. Vous verrez, ton contacté comment. Ah ben, un mec qui travaille là-bas, via Twitter, il m'a appelé par téléphone et on a parlé 30 minutes, je crois. Peut-être beaucoup. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de juste milieu. Le follow, c'est soit rien, 0, soit c'est 10 minutes. Ou alors, c'est quoi? C'est 0, 10 minutes, 30 minutes, 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 3 mois. On va éviter de mettre 3 mois, hein, parce que peut-être que si on met ça, vous pourrez parler d'ici août, quoi. Allez, allez, ça part sur 10 minutes alors. Midi à 20h. Vas-y, pour le moment, on laisse 0 et on mettra 10 à 20h. 3 mois, c'est correct. Ça me paraît pas mal, 3 mois. Une heure. Non, mais non, abusez, les gars. C'est Quentin. Mais ça part en FAQ. Non, par contre, vous pourrez lui poser des questions. Je lui dirais de prendre le chat à côté pour que si jamais j'en loupe une et qu'il envoie une et qu'il a envie d'y aller, bah voilà, hein, qu'il y aille, hein, qu'il se fasse plaisir. Mais par contre, part pas en FAQ, hein. De base, on est là chill sur le multi, hein. Salut Clems. Trop lourd, ça sera chiant. Ouais, non, on n'est pas là à interview en mode. Alors, David, leader sur le prochain Tour de France, quelle est l'entente entre toi et Thibaut? Y a-t-il des tensions au niveau du leadership? Ah non. Bref, il me dit salut ton youtubeur. Oh bah super, eh bah bisous à ton daron, hein, bisous. Hein. Ça part en cassure là, hein. Ça part en légère bordure. Bon, il est vrai qu'il y a grené avec nous. Casse da hey, David. Hey David, j'ai un petit poème pour toi. Oh bah, là c'est petite private joke avec le Discord, hein. Oh là là. Et Calogrenan. Ah, je suis désolé si j'écorche ton blaze, hein. Qui lâche ton petit prime, ça fait plaisir, bienvenue à toi. Et on risque de passer les 100 subs, hein. Ça c'est beau, hein. Franchement, merci du soutien, ça fait archi plaisir. Entre Zerator et Styros. Ah franchement, je t'en voudrais pas si tu préfères Zera, hein. On va pas se mytho. Ah, moi je crois que je le préfère à moi, hein. Et on va tenter un petit truc là en fait, je voyais pas ça aussi proche de l'arrivée, hein. Je pense qu'il y a moyen de tenter, hein. Bon après avec notre Axel vous connaissez, ça va être compliqué. Fais au moins semblant s'il te plaît. Ah voilà, voilà. Voilà, parfait. Fais au moins semblant de te lever de ta selle. Je veux dire... Ah non, 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 il a pas envie de faire semblant. Allez, 12 secondes. Ça a pris, les gars. Eh, si on va s'imposer, il y a direct le maillot rose, hein. 20 secondes. Oh là là, il y a moyen de tenir. Allez, Lutsenko derrière. Faut que je récupère un peu, là, non? Pour le sprint. Je crois que je suis foutu. Je crois que je suis foutu. Je crois que je suis foutu. Néofast, merci du prime. Ah, deuxième mois d'abonnement. Oh. Ah, j'avoue que là, j'ai pas trop envie de t'emmener, hein, frérot. Oh non, mais en plus, il y a Grenet derrière. Moi, j'attends Grenet, hein. Non? Oh, bah... Ah, d'accord.
D'accord. Mais attends, elle est où la flamme rouge là? On l'a pas. Bon, écoutez, c'est le temps de s'échauffer. Il est vrai que je suis pas rentré dedans. J'ai un peu la tête ailleurs. Mais attends, il y avait pas de flamme rouge là. Gros, ils l'ont enlevé la flamme rouge. Non mais. Non mais attendez, c'est pas moi qui suis fou. Elle est où la flamme rouge là? Oh, c'est. Alors moi je croyais il me restait 2-3 bornes à préparer quoi. Putain, plus je voulais emmener Grenet, terrible. Bon, Sam Bennett, premier maillot rose, c'est pas grave. Ça va le faire. Ça peut arriver. Vaut mieux se foirer sur la première que sur une étape de vallon ou montagne. Oh, par contre, j'ai pas pensé le chrono par équipe. Oh putain. Salut Romain. Ah, j'avoue que le chrono par équipe, mon pote, il va être catastrophique. Hein. Ouais, un peu long hein, quand même la commande, je crois. Ils sont éclatants chrono. J'avoue que. 65. On voit même pas. 60. 67. Oh, attention, 72. On voit pas. 69. 64. Oui. Allez, on va viser le top 20, quoi. Bon, non, toujours plus, Tom. Non, on va le gérer, hein. Par contre, c'est le parcours qui débute de Naples. C'est un bon parcours, en vrai, hein. À part le chrono de 55 bornes et ce chrono par équipe qui me fait un peu peur, tu vas prendre 3 minutes sur les TT par team. C'est vrai que... Vous pensez, là, sur 17 bornes, on prend... Sur les 17 bandes là et les 55 en individuel juste après, lors de la 7ème étape, on prend combien en tout? Moi je miserais sur un petit 5 minutes minimum en tout. Hein. 5-6, hein. C'est... Bon attendez, je vais mettre un truc dans le titre, sinon ça va pas être possible. Hein. David, arrive à 20h. Hop. Alors... minutes et 2 minutes 30. J'avoue. Un peu en sueur, il est vrai. Oh, plus 3. Mais ça, c'est bon, ça. On prend... Ouais. Bon. Écoutez. Je rêve ou Grenet, il passe déjà les... Eh oh, je te vois, hein. Moi, je vais pas pouvoir assumer l'équipe toute seule, hein. Est-ce que déjà, ça change à quelque chose que je fasse ça ou pas? Je pense que ça change rien, hein. C'est juste pour dire... Non. Bon, attendez, j'ai pas vu, on est combien au pointage? On est où? Eh, 9ème, hein. 38 secondes, mais 9ème quand même, hein. C'est pas mal. Oh, faut que je prenne un gros relais dans la bosse. Allez. On a pris le gros relais dans la bosse. Oh, je vais finir dernier la team. Hein. C'est catastrophique. Hein. Est-ce que je peux le mettre en... Merde! Et c'est 13ème, 1:31! Bravo les gars! Bon, je vais essayer de me rassurer, hein, mais. On va faire quoi? 15? 16? 16. Putain. Oh l'équipe. Bernal Tao, Sivakov, Thomas, Kwiatkowski. Oh lolololo. Gros. Chauffe qui peut. Après, j'avoue qu'on nous a pas respecté sur la compo, quoi. TerraTac TV, bienvenue. J'avoue que la compo, on nous a un peu chié dessus, quoi. Putain. Ah, François, regardez, c'est le moment où on se rassure. On est qu'à 31. Putain, AG2R fait 6 du chrono. Bon, après, ils ont des cracks maintenant, mais. On est qu'à 31 secondes de la 6ème place. On est à moins d'une minute.
du deuxième. C'est juste que Ineos a tout explosé, mais sinon ça va encore. C'est-à-dire qu'on est à 37 secondes de la trick qui est quatrième. Ça passe. Hein? On se rassure comme on peut, mais ça passe. Sachant que là, il est où? Là, 54 bornes. Je pense qu'on prend au moins 4 minutes. Minimum, hein. Et encore, si... non, si on a un plus 5, on peut limiter la casse et perdre que 3,30. Des coureurs 23 avec toi. Non, mais en fait, c'est... C'est... vous voyez quand Pinot faisait le Giro et que c'était tout pour démarre sur le tour, pour la FDJ, bah c'est ce qui se passe, là. Hein. Tout pour grenier, hein. Keep it galtao. Enfin, même pas, hein. Et prévu pour quand le level up un petit moment quand même, c'est niveau 28. Ouais, si on fait vraiment un gros Giro, il y a moyen de l'avoir, mais je pense qu'on l'aura à la fin du Giro pour le tour. Bon. Le problème, c'est que là, on pourra pas dynamiter la course. Bah si, nous, mais pas notre équipe. Mise pas sur des plus 5. C'est ça aussi. Là, il va avec Alaf. Oh, bon. Oh, je lui demanderai, hein, je lui demanderai demain. Je lui demanderai si mardi il est dispo. Tom qui a mis des maillots. Effectivement. C'est tout joli tout ça. Pam pam. Pam la nana. Race. Hop. Touloun. Bon là ils seront pas là, mais ça sera mis pour la prochaine étape. Maillot fait par Tom, hein. Faut faire gaffe Tom, hein. Yael il est en train de prendre ta place là. Il est en train d'essayer de prendre ta place, hein, en tant que designer là. Non mais Tira, t'as toujours pas compris que ça marchait pas comme ça, il faut le faire dans le panel, ouvrir la page internet, mais de toute façon ça sert à rien de faire ça, hein. Oh quoi que en vrai. Attends, je rajoute. Command, custom. Command. Giveaway. Tu veux mettre quoi comme message? Cooldown, on va mettre 20 secondes. Fais un petit test panda pour voir. Pour voir si c'est good. T'as déjà pris 2 minutes. Bon, bon. J'aimerais bien qu'on évite de sweat de la gueule de mon coureur. Ce serait sympa. C'est déjà compliqué. Hein, vu l'équipe qu'on a. Certes, elle est autour de nous là. Certes. Mais c'est pas suffisant. Lui, il a l'air pas mal, hein, mais il a moins 2. Écoute, quand notre meilleur équipier c'est la porte, qu'est-ce qu'on peut espérer? Ah oui, le lien du Discord. Oh là là, mais j'ai rien foutu moi, hein, c'est. Terrifiant. Attendez. C'est lequel le lien encore panda? Je l'ai plus, je t'avoue. Mets-le un coup dans le chat si tu veux bien. Non, c'est pas lui, c'est pas lui. Oh, mais là voilà, Luxar qui va. Ah, toujours un. Cri-cri, lieutenant en montagne, ça pique. Moi, j'ai confiance en lui. Et du pro-cycliste. Jusque 20, toi. Hein. Enfin, plus jusque 19h30. Dylan qui t'emmène dans le zone Calan. Je pense que le petit train la porte Groenewegen peut être pas mal, hein. Ah, ils arrivent quand même par le lien, mais ça atterrit pas sur le bon truc, quoi. Ok. Attends. Putain, je peux pas le...
Hop, timer. Edit. Hop. Ok, on est bon, tout est mis à jour. On n'hésite pas à rejoindre le Discord. Hein. Fais du zip pas trop. Tibère, il a pris sa retraite dans sa game. Ouais, sûrement, j'ai pas fait gaffe, mais sûrement. Saison 4, il a quoi là, 41 ans? 42? Il est dans son année des 42, je crois. Duncan ouvre en tout. Ouais, je pense Duncan quand même. Hein. Bon, est-ce que j'essaye de mettre un tempo? Il y a Van Gutten qui est en train de se déchirer, mais bon, le pauvre, regardez, il est déjà... Bah voilà, il est cuit. Oh, terrifiant, hein. C'est-à-dire que là... On peut tenter, hein, mais j'y crois pas trop. Oh, ils sont cuits, les cons. Bon, Cricri, il est là, mais... Non, mais pour moi, Gliro et Zonkolan, c'est bien plus dur que tous les cols français, hein. Et en fait, le truc, c'est qu'en Italie et en Espagne, ils ont des cols, c'est... T'en as pas beaucoup des comme ça en France. Aussi pentu, c'est rare, hein. En tout cas, en tête, j'en ai pas un. Et quand c'est giga pentu, c'est pas très long. En France. Pas mal de merci, follow. Oh là, 8004, hein. C'est beau. Merci beaucoup. Isoar. Vous mettez un Isoar aussi dur qu'un Zonkolan ou quoi, vous? Déjà leur gel. J'avoue que j'aurais déjà pu, mais... Eh, hey, Grenier, ramène le bidon. Oh, il va pas réussir, le con. Oh, terrible. C'est pas grave, on t'en veut pas. Non, mais là, ça va être une catastrophe pour le bidon. Cricri, ouais, essaye. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. On le sacrifie pour les bidons, mais y a pas le choix. Hein. Oh, le problème, c'est qu'on est 115, quoi. Oh là là. Oh, catastrophe. Ça, c'est catastrophique, ça. C'est-à-dire que là... Là, je crois on va plus le revoir, hein. Mais bon. Ah bah voilà. Putain de merde. Il n'y avait pas le choix d'essayer. Sinon, là, je crois que dans quelques instants... Je crois que je vais attaquer, mais juste pour les bidons, hein. J'ai pas le choix. Ralentis 2 secondes, s'il te plaît. Je te promets, je reviens dans le peloton. Promis. Attendez. Attendez 2 secondes. Voilà. Attendez, hein. Je promets que je reviens. Voilà, parfait. Je ralentis un peu, hein. Bon, après, je peux continuer à faire le taf aussi, mais... Oh, petit maillot jaune. Eh, Omen de lâcher. Bon, après, il est pas en forme, hein. Est-ce que je fais le poulet et je roule pour tout le peloton, là? Bien sûr. Bien évidemment. Oh, bon, on va remettre une, hein, le panache, hein. Le panache avant tout, ici, hein. C'est vrai que c'est un peu notre marque de fabrique. D'accord. Non, mais pas de soucis, hein, Valgren. Y'a Valvorsen encore? Non mais Ineos, c'est ça... 70... Attends, il a 71 montagnes, le con? Non mais... C'est-à-dire qu'Alvorsen est le meilleur équipier de chez moi, quoi. Oh, on est 6, on est 6. Eh, hey, Valgren, tu collabores, mon pote, ou pas? Collabore, hein. T'es fort, hein. On va la chercher, mon pote. Non, il veut pas, hein. Collabore, collabore, collabore. Non, tu veux pas? Super. Ouais, très utile, hein. Nickel. Bon. Je sais pas trop comment ça va. Bon. Je pense qu'on va en remettre une dans le petit coup de botte là. Hein. Oh, j'ai peur. Et la scan nous piaille, il y avait un passage 45%. Coureur 4 et 6. Est-ce que... Attendez, vous la voyez venir l'attaque de fou là avec l'accès... Recule un tout petit peu. Recule, je dis. Non mais recule. C'est une vraie... C'est une vraie demande, hein. Bim. Oh, ici, attendez pas. Ah. Oh, vas-y, mais moi ça me dégoûte, hein. Ils collent tous ma roue. Non mais sérieux. Allez, allez, suis, suis, suis. Y'a eu le trou, y'a eu le trou, y'a eu le trou. Allez.
Allez les gars, on collabore là, Lutsenko Jungles, allez les gars. Vraiment je vous adore hein. Je suis fan de vous hein, on y va hein. Oh non, allez il y a 20 secondes. Bon au sprint je me fais... Ouais vraiment hein, c'est impossible hein. Eh hey, il y a des cassures de ouf là hein. Je vais plus le donner plus tôt je pense. Oh, attends, j'ai un peu peur là, je t'avoue. Faire ce que je fais, j'ai un peu peur. Oh il emmène, oh il emmène. Oh il emmène, emmène un tout petit peu moins fort s'il te plaît. Ah Jungles, je vais me faire fumer. Oh mais quel frère sérieux, il fait le poisson pilote. Mais quel frère. Bon je vais quand même me faire fumer par Jungles. Ah. Il va pas tenir. Jungles non plus. Allez Styros. Oui. Oui monsieur. Victoire. Et maillot rose. Non pas du tout. Non je suis trop con. Ah non je suis trop con, laissez tomber ce que j'ai dit, je me suis emballé. Oh Bernal. Oh mais Lutsenko, quel frère sérieux. Lutsenko notre frère, hein. Vraiment, c'est-à-dire que là, il a fait le poisson pilote. Vraiment, il s'est sacrifié. Oh là là, une gueule, j'ai le seum pour lui. Oh bah super. Ah non, bah regardez, pas besoin d'équipier, il y a Lutsenko. Flop de R, bienvenue. Maillot blanc, tu t'es trompé. C'est vrai, mais bon. Y a-t-il une vraie différence en soi? Je pense pas. Regardez, hein, regardez, mais ça c'est depuis qu'il est chakra touché, hein. Niveau tactique ça a changé. Et 38 secondes, et ce qui fait qu'en général nous sommes toujours pas là, mais on s'en rapproche. Oh, maillot bleu même. Maillot bleu avant le maillot blanc. Oh bah même pas, il y a Bernal et Sivakov, il est vrai. C'est vrai qu'on a zappé. Mais par contre, on a un petit maillot bleu sur les épaules, il fait plaisir. Hein. J'ai du petit maillot à vous mettre là. TJV. Hop. On met les 4, hein. Vu que bien évidemment, on compte arriver du côté de la 21ème étape en rose. Et avec les 4 maillots. C'est quoi la 21ème étape d'ailleurs? Breccia. Ah, on compte arriver à Breccia avec les 4. Hein. Mic top, bienvenue. Vous voyez, si on fait un Giro avec des petites victoires par-ci par-là comme ça, on est bien. Niveau up, il y a moyen qu'on en prenne un pendant le. Pendant le Tour d'Italie. Je vous paye quoi? Juste 3 étapes. Hein. On va attaquer la 4ème là. Qui est une belle étape aussi. Hein. On n'a pas trop vu les AG2R. Oh, par contre, le pic de forme, il est déjà en train de monter. C'est une catastrophe, ça aussi. Hein. En fait, tu peux pas faire Giro-Tour en mettant en objectif le tour. On va mettre quoi en objectif? Oh. Oh, par contre, j'ai chaud en pull, terrible. Les zones colonnes, je crois pas. Hein. Je crois pas. Van der Poel favori là-haut, je crois pas. Hein. Je crois pas non plus. Y'a moyen. Y'a moyen qu'on a. Faut pas trop pressé. Allez, avec toi. Je sais pas, moi. Vous lui demanderez, hein. J'en sais rien. En pull. Non, juste, t'avoue, c'est le seul truc que je voyais. C'est pas dégueu. Van der Poel peut faire le tour. Mais j'ai vu passer un truc sur Twitter, mais j'avoue, j'ai pas trop. J'ai pas cliqué sur le truc, donc j'en sais rien. Plus de... Ok. Oh là là, regardez comment on est tout beau, tout bleu. Ah, par contre, j'ai mis les maillots dans les autres, hein, ça les a pas mis. Oh là là, mais regardez. Un petit bonbon. Oh, c'est magnifique, ça. C'est magnifique. Bon, Cricri, tu nous as fait kiffer. C'est vrai. Malgré que c'est pas ton fort, la pente. Tu nous as fait rêver. Par contre, j'avoue que l'Alvorsen s'est planté en montagne. Ils ont... Je sais pas ce qui s'est passé, mais...
peut-être avoir deux teams en plus sur le tour. Ah ouais, mais pourquoi? Pourquoi? LDJ, elle est en bas la casquette LDJ, les gars. Je la prendrai tout à l'heure. Le rose tira mieux. C'est vrai. Après le bleu, les maillots sont beaux sur le Giro. Hein. Le bleu ou le Chiclamen. Tibus Magnus, bienvenue à toi. En même temps que le tour. Ouais, ça j'ai vu par contre. Ça j'ai vu que la course en ligne des Giro, ça serait lors de la dernière semaine, non, du tour. Ça j'ai vu ça. Mais du coup, en vrai, pensez à un Alaph par exemple. Il choisit le tour ou il choisit les JO? Parce que les JO, c'est pour lui. Hein. Début de tour, puis abandon. Je t'assure que s'il fait ça, il se fait détruire, hein, je crois. Un abandon intentionnel, c'est très rarement bien vu. Hein. Il y a beaucoup de sprinteurs qui le font sur le Giro, mais... Ça va être toutes les contraintes. Moi, je suis persuadé que le fait vert, il va le forcer à le foutre sur le tour. Hein. Le fait vert, il en a rien à foutre des JO. J-Klos, bienvenue. Et si le fait vert l'oblige, en soi, il peut rien dire. Hein. Enfin, si, il peut râler, mais... Surtout, il va pas abandonner. En plus, imagine, il commence le tour avec cette optique de abandonner intentionnellement par la suite, et il fait un grand début de tour il avec le jaune. Je vois pas le maillot jaune se dire, bon, les gars, salam. Le tour comme cette année. Bah, le truc, c'est que les dates ont déjà été officialisées pour le tour. Ils peuvent l'avancer, mais il faudrait que les villes soient d'accord, quoi. C'est quoi, c'est le Danemark l'an prochain? Faudrait que... Que les villes départ et arrivée soient d'accord. Foot de foot. Salut Matt, enfin, ça va tranquille hein. Tour sur Ineos, le rêve. En vrai pas forcément. Ça va être un tour spécial. En plus c'est le premier grand tour pour la reprise. Il y aura eu quelques courses avant mais sans plus. Ça va être bizarre le tour. En plus on a un parcours, il est pas mal hein. En vrai c'est Copenhague. C'est Copenhague la première étape ou c'est encore un autre truc et Copenhague c'est genre étape 2 ou 3. J'avoue j'ai pas ce logis à ce Copenhague mais... Ils seront pas préparés. Ouais, surtout que là il y en a, ils sont en train de se tuer sur le home trainer. Après ils sont pros, ils savent ce qu'ils font hein, mais... Généralement c'est pas ouf de squatter le home trainer comme ça. Eh, Cricri, tu nous fais rêver là. J'avoue que. On est surpris. Tout le chat est surpris de toi, Cricri. Hein. Le duo franco-belge, là, il marche. Hein. Ok, mauvaise idée d'avoir mis Dylan. Ok, non, mais vas-y, abandonne. Bah, teste, hein. Surpasse-toi, mais. Fais-toi plaisir. Hein. Oh, va pas si loin. Oh, c'est fini. Non mais gros, ils abusent aussi, ils l'emmènent vraiment tout au fond. Des fois, t'as de la chance, il s'arrête là, il se dit, allez, là, je suis assez, il y a une petite voiture qui passe sur le côté. Bah non. Bon, les gars, on fait comme la veille. Hein. Je place une attaque, je reviens, c'est juste pour voir. Vous en faites pas. Vous en faites archi pas. Non mais non, déconne pas, Kuyato, moi, je vais juste boire. Oh, sérieux, c'est honteux.
Voilà, parfait, parfait. Non mais moi je suis très content, hein. Voilà, moi je veux juste boire un coup. Imagine un mec qui fait ça en vrai. C'est honteux. Il voit sa voiture devant, il place une attaque, il prend le bidon, il revient. Tu comprends pas trop ce qui se passe, hein. Ça roule pas trop là, hein. Pile le bon moment pour attaquer là, hein, je reconnais, hein. Ah non, ça c'est la science de la course, hein. Allez mon gars. Oh c'est Gianni. Oh c'est Moscon derrière. 82 ballons. Mais gros, ça, son rouge, il se vide pas. Oh, David. Oh, terrible. Faut pas que je l'insulte, hein. Il vient après. Hein. Ok. Oh, il y a Tao et... Boubou et Thomas. Ils sont pas bien. Ok, Woods, Kyato. Oh, mon frère. Oh, mon frère. Ah non, il a arrêté. Il a attaqué, mais il a arrêté. Oh non, craque pas. Ils sont tous en train de craquer un par un. Terrible. Bah non, il a l'air en forme. Oh, David. Il est en forme ou pas? Oh le... Pfff. Ah, ça se met bien, hein. Petit plus 4 là, déjà que t'as 84 montagnes. Moi, je vais pas t'aimer, hein. Ah. Oh, je suis foutu. Ah, tchabon. Il a plus de rouge, ça tient. Ok, on est que 5. On est que 3, les 3 plus forts. Oh, ce trio, mon pote. David Godu, Nicolas Tyros et Egan Bernal. Oh là 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 là. Ah non, mais emmenez-moi, hein. Moi, je veux dire, moi, je suis bien. Je suis dans vos roues, hein, les gars. Oh, par contre, il y a encore Lutsenko. Mon frère, tu vas me lancer, non? Il y a Toby Note derrière. Oh, il se crame pour nous, c'est un plaisir. J'aurais peut-être pas dû y aller. J'avoue, mais bon, allez. Oh, j'aurais pas du tout. Oh, ouais, vas-y, il y a du Kato. Bon, je peux pas faire. Essayez d'aller chercher le podium et les bonifs, ça va être dur. Il y a Binout aussi. Ah non, Lutsenko. Non, mais moi, je suis content pour Lutsenko. Parce que la veille, il nous l'a donné. Et là, il vient s'imposer devant Binout et Woods. Nous, on fait 4. Mais dans le groupe de 7. Oh, il y a déjà des écarts, hein. Par contre, en vrai, au niveau des grimpeurs, à part Bernal et Godu, là, on est clair... il y a clairement un petit podium qui se dégage, là. Je vois pas Lutsenko, Woods et Q à te tenir. Non, par contre, nous, on est content, hein. Vive, vive Alexei, hein. Ah non, Lutsenko, il nous aide la veille, et là, il vient gagner, vraiment, quel frère, hein. On l'aime trop, hein. Tu vois, c'était Tige qui gagnait ou Woods, on aurait eu un peu le seum, mais... Bah, le podium, là... Après, on voit qu'il y en a un qui est un peu au-dessus des deux autres, quoi. Mais qui va prendre 4 minutes sur le chrono. Ah, Maillot Rose, bah, on est 4ème. 4ème, Kyato et Alexa, ils sont là. Oh, Léopold qui lâche les petits bits. 10 bits de Léopold. Merci, hein, Léo. Oh, le petit maillot bleu qui est consolidé. Ok. Il y a 84 montagnes. Quoi? Lui? Oui. Qu'est-ce que... Ah, je sais pas comment vous l'avez vu, hein, mais... Ah, gros... Sympa, hein. Ah, oh, j'ai très peur. Ah gros, aux jours armises. Sort d'où lui? J'avoue que lui... Le problème c'est qu'on peut pas voir son évolution. Bon allez, nouvelle étape. Bon celle-là elle est vraiment horrible pour nous, hein. Tu vois, ça c'est le genre d'étape on n'aime pas. La prochaine c'est tout plat aussi. Après Vallon dégueu. Une victoire à chaque fois. Non, non, ça c'est un autre encore. C'est un. Le Turc qui gagne à chaque fois, c'est le champion de Turquie de base. Donc IRL là. C'est quoi son blaze? Champion de Turquie. Cyclisme. J'ai du mal à écrire. Sam Lee.
Ferichan Samlier. C'est lui, hein. Je crois que c'est bien lui, hein. T'as pas une petite photo, là, que je reconnaisse? Ah non, 2014. Pardon. Non. 2019, oui. Ce sera rien qu'Alebe One. Bah non. Championnat de Turquie, c'est qui sur route? Ah, c'est lui, Orken. Ahmet Orken. Oh bah gros, contre la montre, il a gagné depuis 2014. C'est le seul tour qui existe ou quoi? Ok. Orken, c'est lui. Lui, c'est un régène. Hein. C'est sûr. Je vois aucun turc dans le jeu qui est capable d'avoir des stats comme ça, hein, de base. Sauf que tu fais quoi? Je sais pas. Hein. Yo, bon, voilà, route. Je suis Caleb Bernal, enchanté. Salut Vico. On se tire aux étapes 9. Ah bah non. Fin de carrière en live. On en fait déjà une, hein. Mais du coup, pour Orken, Orken, c'est le champion de Turquie de base. Et dans le jeu, il gagne. Il a à chaque fois 20-30 victoires par saison parce qu'il est sur le parcours asiatique. Il est en UCI à Azitour. Par le robot à 1000 seb. Oh bah non. Ah, 1000. Oh bah oui, 1000, oui, si tu veux. Bouddha Z, elle en a déjà fait. Bernal a combien? En gros, là, dans les favoris, on a quoi? On a Bernal 83, 73 chrono. On a Godu 84, 71 chrono. Woods 80 montagnes. Ah, je le voyais pas aussi haut. Par contre, 64. Ok, donc en fait, Woods, il va quand même falloir le surveiller s'il est en grande forme. Solaire 79, 74. Il y a Youngles, mais il a 75. Quintana est à 81. Le Turc 84, 78. Il y a quand même du beau monde. Après, il est vrai que sur la dernière étape, il y a un petit trio qui s'est détaché. Moi, Bernal, Godu, mais. RP moment, merci du follow. C'est goal pour 100 sub. Ouais, mais les gars, moi je sais pas sans E quoi mettre, hein, surtout qu'il en reste 3. Hein. C'est un peu con de le mettre maintenant. Peut-être en format pour. Ouais, c'est pour ça, c'est chiant. Ça va être dur. Oh, Léopold qui spam les 10 bits, hein. Merci. Hein. Sans sub, tu te rases les cheveux. Ah. Je sais pas si on peut le faire. 41 piges à la Ineos avec 80 montagnes et fait le doublé Giro Vuelta et gagne le classement des grimpeurs. Logique, hein. Il fait une Chris Horner. Ah les gars, les modos, n'hésitez pas à mettre un petit. Bon, même en général, hein, si vous voyez un mec demander c'est quand les giveaways, n'hésitez pas à mettre la commande comme ça. Voilà quoi. Moi ça me rend triste, hein. C'est ces gens qui sont là à spammer giveaway alors que moi je suis sympa quoi avec vous. Hein. Moi je pensais que vous étiez là pour moi quoi. Ah là là. J'ai pleuré un peu. T'es pas leader. Si c'est juste que là c'est pas pour moi genre. Du coup ils mettent des autres. Je pense que là en vrai c'est quand même Grenewegen leader là. Je sais pas s'il va passer. Hein. On augmente à 30 bits du côté de Leopold. Combien va-t-il mettre la prochaine fois? Une grosse miche, toi, ah ouais. Oui, on s'en fout de ton crâne caillou, on veut les jeux. Ah, oh bah ça, c'est vraiment un plaisir de lire ça. Hein. Artonk, merci du follow. C'est une victoire de Pantano sur l'équipe, pas ouf. Bon, bon, après, ils ont bien diffusé des images du tour 2000, quoi. Jusque demain, pour qu'ils puissent participer. Oui, bah toujours dans la bulle, Hussard. Hein. Oh, il est au pôle qui augmente à 100 bits! Ça va et toi, Carotte? T'es musclé? Ouais, on me le dit souvent. C'est, ça m'étonne que tu le soulèves. Mais c'est vrai que... On me le dit, hein. Oh là, mais Fomzy, mais il y a une bataille de bits, là, mais... Ah, oh, vous régalez, hein. C'est-à-dire que là... Ah non, hein. La Daronne Maldive, hein. Giveaway au calme, vu que c'est déjà prévu. Toi, t'es intelligent, mon frère Vigno. Joseph.
Oh, et Léopold qui augmente à 103. Il prend l'avantage. Ta tête, c'est le Ventoux. Oh, bah, un plaisir. Vraiment. Oh, bah, Grenet, il passe pas, là, hein. C'est mort, hein. Moi, je vais en mettre une, hein, c'est sûr. On va durcir le truc, hein. Je vais tuer mon sprinter, mais c'est pas grave. Ça arrive. Il sera pas déçu. Allez, on y va. On y va. Oh, non, pas toi. Oh, David, vas-y, lâche-moi. Il va me suivre partout. Oh, l'enfoiré. Ah bah gros, bah là il y a... Oh bah là, il y a Bob qui nous rejoint là. Eh, hey, collaborer hein. Je peux plus rivaliser, terrible. Oh. Ok. Ah bah ça suce les roues là derrière. Hein. Prenez un petit relais, non. Ah non, ça veut pas. Ah désolé Bob, hein. J'étais un peu niqué ton échappé, mais... Bon par contre, prenez un relais, c'est-à-dire que là c'est relou quoi. Voilà. Non mais au bout d'un moment, je veux bien être le pigeon du groupe, mais... Sprint, 65, 64, 68. Oh, Molégra. Attention. Eh, 68 aussi, hein. Faut plein mon temps, faut pas qu'on déconne. Ne déconne pas. Ah, c'est en train de revenir derrière. Oh non, pas... Oh, mais le tueur, c'est terrible. Non, mais non. Mais... Quoi? Il a attaqué en remettant sa chaussure. Mais quoi? Et personne... Et tout le monde le regarde, sans rien dire. Mais Mollema? Attends, il va réellement gagner là? Non. Non. Ah, on va pas tenir. On va pas tenir, j'ai fait le pigeon du groupe. J'ai fait le pigeon. Et c'est David qui va s'imposer! Victoire de David! Devant Egan! Bon, ils prennent les bonifs, ça c'est pas ouf. Quintana, on fait 4. Mollema, 5. Barre des 6. Et il y a une cassure là, au niveau de Karatak. Et après, Vanderpool. Hein. 43 secondes. Faut pas lancer le sprint. Ouais, mais bon. J'avoue, j'ai été perturbé. Par contre, qu'est-ce qui m'a fait, le Mollema? YouTube, yes. Mollema, il a quand même attaqué en remettant sa chaussure. C'est-à-dire qu'il pédalait pas, mais il a fait un pic à 60 km/h. C'était impressionnant, hein, c'était beau. Ah là, il y a peut-être un petit moteur qui se cache. Hein, faudrait enquêter, parce que... Interrupteur dans la pédale. Ah, mais là. Bon, là, j'ai fait le pigeon pour le groupe, par contre. Hein. Mais bon. On fait l'écart par rapport aux autres derrière. Hein. On fait l'écart, regardez. Eh, le podium se distingue déjà. Hein. Nous, on est toujours en bleu. On a même le Chiclamen. Je pense qu'on va avoir le Chiclamen prioritaire, non? Ton, 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 ton. Voilà, oh, passage de level. Le prochain, il y aura un petit up. Qu'est-ce qu'on prend là? Furtivité, je sais pas, en fait, j'utilise pas du coup. Peut-être prendre l'information, non? Je sais pas. Ou la volonté, c'est quoi ça? Renverser la tendance. Pas trop besoin. Hein. Super leader, on reprend un super leader en plus. C'est quoi, il y a volonté aussi. C'est où volonté, c'est ça. Volonté, c'est pas ouf, si. Furtivité, c'est useless, c'est un peu éclaté, furtivité. Hein. Avec le jeu, c'est gratuit, oh. Un peu chier là, mais Matt, voyons Matt. Vas-y, tu sais quoi, on va prendre. Hop, allez hop. Faut pas rester 20 ans sur ce choix quand même. De toute façon, on les aura tous à la fin. C'est quand même terrible que pendant une semaine, on attise le truc, on a mis des heures en grand sur chaque image, sur chaque dans chaque texte pour que 2 heures avant, on nous demande c'est quoi. Hein. C'est terrible. Hein. C'est beau, merci Gabino. Ça rien. Moi j'aime bien. Tu vois. Un petit super leader sur la porte. Il se transcende et c'est fini. Il nous montre le zone collan facile. Salut Fan Gaming.
Table de plaine, c'est pas ouf. Ah ouais, mais écoute, il en faut de tout, hein. Regarde Grenet. Grenet, il serait déçu s'il y avait que de la montagne. Si on était sprinter, on serait content. Yo Tricky. Là, on est à l'étape 6 du Giro, là. Nous sommes à l'étape 6 du Giro. Tranquillement, Pépouze. C'est pour ce soir, non? Ça va. Ça va, ça va. Pim, pim, pim. Non, mais attends, on est sur la bonne piste, là? Effectivement, je pensais pas. T'es pensé quoi ce maillot? Non, vous aimez pas ce maillot? Par contre, c'est moi, on a que des petits plus 2 sans pic de fin, on l'a depuis le début. C'est sympa. Bon, par contre, si quand on arrive dans la montagne et on chope des moins 1, ce sera moins sympa. Victoire pour toi. Ouais, une. C'est incroyable, bah, ça fait plaisir. Hein. Après, je suis animateur et humoriste avant tout. Hein. C'est un peu l'un des mots-clés de la chaîne et des streams. Salut, émergé. Oh, je vais taper Louis. Hein. Ta performance au classement. Le truc, c'est que... performance au classement, des fois on est en pic de forme, performance remarquable, course favorite, objectif, tout ça, et on a quand même un 15-0, donc on se satisfait de ce plus 2. Vuelta est prévu pour quand? Il n'y a pas de Vuelta cette année. Hein. Cette année c'est le Giro Tour. Animateur, oui, Maurice, moins. Bon, bon. Je prends mal. Hein. Du temps sur Bernal. Chrono par équipe, on a pris une 30. Sur la Ineos. Puis il y a une étape, on prend 40 secondes sur tout le monde. Mais là, on vient de perdre un peu de temps au niveau des bonifs. Zinkyo, merci du follow. Crâne rond. C'est vrai. C'est vrai que... Putain, mais vous avez le sens des détails. Hein. Vous allez finir drôle, rageux et sympathique. Merci. Le jumbo et chrono par équipe, ça allait être simple. Mais le truc, c'est que... bon, après, si sur le tour, ils mettent pas Roglic, Kreuzweg et tout, c'est du foutage de gueule. Hein. Attendez moins de... C'est possible. Mais j'espère pas, faut pas dire ça. Hein. Parce que le jeu, j'ai l'impression, des fois, il vous entend sur le chat et il me les donne les moins 2 quand vous me dites ça. Yozu, bienvenue. Ouais, Tutor a participé aux Worlds. Après, il a juste participé hier. Hein. Il a pas fait grand chose non plus. Bon, en même temps, vu le style de jeu, c'était pas ouf. Hein. C'est un peu de la merde, les Worlds. On va pas se mytho. Hein. Et toi, Alex? On est en sa poule, ouais, mais c'est horrible. Hein. C'est vraiment dégueulasse à jouer. Hein. On va prendre la route de Grenet. Hein. C'est vraiment une étape qui nous... Ouais, on aime bien. On apprécie. 68 de sprint, je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Par contre, les gars, faut pas trop traîner. Hein. Là, l'échappée... bon, à tout moment, je peux faire l'équipier, mais... Ah, mais je suis qu'à 75, je suis trop con. J'avais pas vu. Non, 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 on lance pas maintenant, idiot. Oh, le con. Oh, le débile. Bon, là, j'emmène tout le monde. Hein. Ah, bah, GG l'échappé. Hein. GG le peloton. Très intelligent. Course très, très intelligente. Et c'est qui gagne? Ok. Vendramé, troisième. Corinne, Grenet. Ah, t'aurais gagné. Hein. Non, on va faire quoi? On va faire 9. Attends, je rêve ou... Oh, deg. Non, je crois qu'on aurait fait 4. Ça va. S'il n'y avait pas d'échappé, on aurait peut-être pu avoir des bonifs, mais... Vitality, toi, tu reviens bientôt. Voilà. Bon, nous appons cette étape. C'était vraiment de la mouise. Maintenant, suivante. C'est un peu vallonné, Pescara. Puis, quel cauchemar, sérieux. Bon, là, on a 4 étapes intéressantes, mais le problème, c'est que dans les 4, il y a un cauchemar, quoi.
Mais 54 bandes, franchement. Et en vrai, on pourrait faire un truc, hein. Mais après, ça va. Je crois Tira et Pussy vont me détester si je fais ça, mais. Et vu qu'il est pas encore 20h, c'est pas cool, mais. Genre, celui qui trouve le retard exact que j'ai sur le vainqueur à la seconde près, il a une clé PCM. Mais du coup, faudrait regarder tout le chat. Je suis pas d'accord. Non, mais de toute façon, fais pas ça, il est pas 20h, c'est pas cool. On a dit que c'était à partir de 20h les clés. Et puis j'avoue que Tira et... Et après Tira et Pussy, si vous voulez, on peut faire un truc, c'est que... Oh là là, Fossil qui s'abonne, qui lâche son petit cher 1. Bienvenue, hein. Bienvenue, bienvenue. On peut faire un truc, c'est que quand on sera nombreux ce soir, parce que je pense qu'on sera un peu plus que 340, je sais pas du tout combien on sera, mais je pense que ce soir, on peut faire un truc, genre au début d'une course multi, on fait un jeu... Celui qui trouve le retard exact d'un coureur sur le vainqueur de la course. Voilà. Mais je pense Tira et Pussy, ils veulent ma tête, hein, si je fais ça. Prétenir. Ah bah gros, va falloir prendre des screens de partout. Hein. Non mais de toute façon, on va pas faire ça, hein, c'est une blague. Hein. Sébastien. Juste mis Bezos qui vont spam des notes. Non mais il abuse pas. Moi je pense que ce sera quoi, 700? Si on tape les 700, moi je suis heureux, hein. C'est énorme. T'as vraiment le cœur sur la main. Ah bah de rien, hein. Matédi, en plus ton pseudo ressemble étrangement à Materazzi, c'est un plaisir, hein, que tu me m'appelles Zizou. Bon déjà là, tu sens la douille arriver, hein. On arrive sur le petit zéro. Matira et moi, une clé PC, on peut s'arranger. Ah non, mais on a dit il n'y avait pas de corruption ici, donc si je mets pas du sub-only, je vais pas me en donner un au modo. Hein. Comprenez bien. Hein. Après, il y a moyen de s'arranger le 4 juin, hein, mais ça, on n'y est pas. Hein. Oh, jure, Tib, incroyable. Franchement, t'es mon modo préféré, Tib. Hein. Après, faut pas le dire aux deux autres. Putain, plus de montagne. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on est en grande forme. La lime, merci du follow. Est-ce qu'on ne durcirait pas la... Oh là là, mais c'est... Eh, c'est du pourcentage qu'on apprécie, ça, hein. C'est beau. Non, mais... Ils sauront pas, ça va mon pote. On vient de s'arranger le 4 juin. Non mais entre nous, genre... Genre je leur paye un jeu ou quoi, mais... On paye quoi? On a la 7ème étape, Canaillou. Hein. Sache que j'aime bien ton pseudo. Ça me donne le smile. Rien qu'à le prononcer, j'aime bien. Voilà. Tu fais ce que tu veux de cette info. Par contre, moi, j'avoue, j'ai cru qu'on était à l'arrivée, vous me dites rien. Oh les adjoints DS, là. Vous faites quoi? Pourquoi je les ai mis à 85, mes potes? Il est un sourd. Après, je pourrais pas le faire au 3, hein, tu vois. Donc, ça sera. Voilà, vous vous battrez, vous ferez ce que vous voulez. Hein, un petit combat dans un ring, mais je sais pas. Hein, mais. On va départager. Hein. Pas la rediff de Paris-Nice avec l'Arkea. But du live, mais j'ai raté la fin. Tu parles du live d'hier. Ah oui, c'est vrai que je l'ai. Non, d'avant-hier. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais il y a eu un bug. Twitch. Bon, c'est un bug, hein, c'est pas de ma faute. Mais je sais pas pourquoi, dans mon. Alors mon gestionnaire de stream, ça me disait que le live était toujours en cours. Du coup, c'était infini, ça continuait. Genre le lendemain, il était à 23h de stream. Genre t'allais sur ma page, il n'y avait pas de stream, mais la rediff continuait à tourner. Et du coup, je pouvais pas la stopper. Ça allait continuer, c'est infini, donc j'ai dû la supprimer. Donc au pire, je pense la prochaine fois qu'on jouera avec Arkea, je ferai un point, je redirai tous les résultats. Mais je peux pas faire autrement. Ça l'a fait pour d'autres aussi. Ah ouais? Moi je sais qu'on m'a dit que pour Benji, ça l'avait fait aussi. Donc ça arrive à plein de streamers, d'accord.
J'ai soif, cri-cri. Je peux même porter à boire, cri-cri. Non. Pas ça. Cri-cri a fait de ton mieux. Ah mais du coup on en a deux de super leader, vas-y utilise-en un mon pote. On est que 46 hein, si tu loupes là je peux plus rien pour toi. Hein. Oh parfait, cri-cri on t'aime. Ça va piquer quand ça va être noir. Oh là là, aïe 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 aïe. Cri cri. Oh, il y a encore 2,40. Mais j'ai pas l'équipe pour. Faut que quelqu'un vienne aider la porte, sinon c'est mort. Devant, on les revoit plus. Il y a qui? La Chini tout seul devant. Vendramé derrière. Oh, Vendramé, le pot, il va faire deux pot jam d'affilée sans en gagner. Les tatouages, non. Deux minutes. Quelqu'un va devoir prendre le relais, les gars. Cri-cri va pas tenir. Ok, c'est bon, les bras sont là. Une 38, y'a moyen. Je pense qu'en faisant le jump, y'a moyen. On y va direct, hein. Dès le pied, on va reprendre Vendramé. On va revenir, hein. Oh la Chini, mon pote. Oh, 40 secondes. Bamos, 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 viens, suis-moi. Suis-moi, mon meilleur pote. Tu relais. Oh, il est cuit. Oh, le con. Oh, bah lâche-moi, hein. Lâche ma roue, hein. Non, mais lâche-moi, j'ai dit. Vraiment, genre relâché. Non, tu veux pas? Ok, parfait. Pardon? Je l'emmène ou pas? On joue le temps ou on joue la win? Underpool, il est en train de tout ramener derrière. Je pense qu'on va jouer le temps, hein. Balek, hein. On va l'emmener vers la win, hein. On va lui offrir la win au frère, hein. Oh non, il est cuit. Oh bah c'est gagné en fait. C'est juste gagné, hein. C'est juste gagné. Il est cuit. La Chini. Salut mon pote. Victoire d'étape. Ici à Pescara, juste avant le contre-la-montre. Hey, y a-t-il 53 secondes? Oh non, je crois qu'il va faire le jump en plus. Oh non, je suis dépité. Faut regarder s'il y a 30 secondes. David qui prend les bonifs et qui les prive de Bernal. Sirius de P, oh, super. Jour 2020 sur PCM. Bah je sais pas. Mais je suis pas sûr que je puisse. Parce qu'en gros, bon vous le savez, j'ai fait la je suis sur la bêta de PCM 20. Du coup j'ai les courses 2020. J'ai les parcours 2020 des 3 grands tours et je les ai mis dans mes dossiers du jeu là sur PCM 19 pour pouvoir les jouer. Mais je suis pas sûr que je puisse les montrer parce que techniquement ça fait partie de la bêta. Je mets pas l'aéro. J'évite de le mettre trop parce que c'est un peu cheat. Les bâtards, c'était sûr. La Chini, je te déteste. Craque plus ou craque pas, mais fais pas les deux. Oh, il y a 30 secondes de foutu. Oh, j'ai envie de pleurer. On sera à 13 secondes. J'ai envie de pleurer. J'ai... Oh, la dépression... Ah, je sentais en plus, hein. Tu l'as vu en fringale là, c'était pas bon. Hein.